Bé, bona tarda, benvinguts. Començar per agrair a les persones que composen aquest espai veïnal Calabre 66 per les facilitats que una vegada més ens donen per poder desenvolupar aquest acte en aquest local, que és una mostra de participació, d'activisme, de voluntat de desenvolupament cultural, d'autogestió ciutadana i també de treball ben fet amb totes les persones que també, no només els activistes sinó els treballadors que permeten que això funcioni. Passaré al castellà perquè és la llengua que a Samir més o menys li és més propera. Esta es una iniciativa de El Viejo Topo, de Espai Marx, de la Asociación Catalana de Investigaciones Marxistas vinculada a la FIM, de Phil Roig, unas entidades que no tenim recursos institucionales, no tenim recursos económicos, excepto el que son las contribuciones de seus activistas, pero que todo eso, que a pesar de esto intentamos mantener un esfuerzo por abrir debates en profundidad sobre la posibilidad de transformación de nuestra sociedad. El año pasado este conjunto de organizaciones organizamos un ciclo en relación al centenario de la Revolución de Octubre a través de varios seminarios y conferencias que ha dado como producto la publicación de 4 libros, bueno, 2, hablemos de imperialismo y crisis de revolución, que ya están publicados, y 2 que están en imprenta. Ciclo y libros que también ahora, como comentaba con algunos compañeros de que estas asociaciones estamos dispuestos a ir a presentar a cualquier localidad, ateneo, espacio de vecinos que quieran abrir un debate sobre estas cuestiones. Y este año hemos querido desarrollar un ciclo Pensar con Marx con motivo del 200 centenario del nacimiento de Marx. Un ciclo del cual pues, ya hay una programación elaborada que tenéis en la puerta, con una serie ya de ponentes comprometidos, que probablemente se va a ampliar aún un poco más, pero que hemos querido inaugurar con el compañero Samir Amin en esta jornada inaugural del ciclo. Samir nació en El Cairo ya hace 87 años, hijo de padre egipcio y madre francesa, médicos los dos. Pasó su infancia en ese país. Del 47 al 57 estudió en París, obteniendo diplomas en ciencias políticas, en estadística, en economía, y aún así tenía tiempo para el activismo y la militancia política en esa Europa que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que conoció organizaciones sindicales y de trabajadores que tuvieron fuerza para imponer y desarrollar una serie de conquistas sociales. Al llegar a París se une al Partido Comunista, del cual se distancia en algunos aspectos, en la tradición más ortodoxa del marxismo, digamos lo que era el marxismo soviético, pero sin jamás caer en el sectarismo y sabiendo compaginar una crítica a aquellas formulaciones que él entendía que se desviaban de ese objetivo de transformación social con una clara militancia anticapitalista, efectiva y práctica. Con otros estudiantes publica la revista Estudiantes Anticolonialistas y también desarrollará todo un esfuerzo intelectual para entender el capitalismo contemporáneo con particular atención
a lo que son las relaciones internacionales, a lo que es el proceso de lo que hoy se entiende como globalización. En el 57 presentará su tesis doctoral, los efectos estructurales de la integración internacional de las economías precapitalistas, como discípulo de un profesor estructuralista, François Perrou, pero en una perspectiva y en una formulación que da una visión nueva de lo que es la perspectiva del subdesarrollo. Samir lanzará, a partir de ese análisis que se implicará en la tradición marxista, el concepto de centro y periferia, que genera una crítica radical al desarrollismo, es decir, aquellos que predicaban que bastaba dejar pasar el tiempo para que unos países más atrasados acabaran convergiendo con los que estaban más adelantados. Hay que decir que plantear una crítica a esta formulación en los años a finales de los 50, en que el desarrollismo era, digamos, el paradigma asentado e incuestionable, requería valor. Y Samir lo tuvo y planteó, digamos, todo lo que hoy conocemos como la teoría de centro-periferia, la interpretación de que el crecimiento del capitalismo genera desigualdad y que necesita de esa desigualdad y de esa polarización. Y que, por tanto, el capitalismo tiene unas leyes que en la práctica, en el mundo contemporáneo, en el mundo que seguirá la Segunda Guerra Mundial y que aún se desradicalizará más con la caída de la Unión Soviética, genera no una perspectiva de desarrollo armónico, sino una perspectiva de creciente desigualdad. Al terminar su tesis, en su práctica profesional, regresó al Cairo, donde trabajó hasta los años 60, en el Instituto para Gestión Económica. Posteriormente estuvo en el Ministerio de Planificación en Bamako, en Mali. Posteriormente estuvo en el Instituto Africano de Desarrollo Económico y Planificación. Y, en fin, de ahí en la Universidad de Poitiers, de Dakar, en París 8, en Vicence. Y finalmente su trayectoria pues acaba como director del Foro del Tercer Mundo en Dakar. Gran parte de su obra pues se la ha dedicado a las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, la función del Estado en estos países. Para mí la mundialización es un fenómeno que viene de lejos, pero la moderna mundialización asociada al capitalismo es polarizante por naturaleza, como comentaba, y por tanto la lógica de esta expansión mundial produce una desigualdad creciente entre las partes del sistema, que parten de una herencia que está vinculada históricamente al colonialismo, pero que tampoco tiene un determinismo histórico de permanecer en estos espacios. Es decir, esa ley de desigualdad puede provocar que determinados territorios que antes estaban en la periferia, en el centro, acaben en la periferia o viceversa. No hay un determinismo. No, hay condicionantes históricos, pero lo que es importante es entender que para desarrollarse ese sistema precisa de esa desigualdad. Gracias, compañero, porque la presentación fue totalmente correcta. Bueno, queridos y queridas compañeras y compañeros y organizadores de esta invitación, que es un gran placer para yo. Bueno, me voy a hablar en francés porque entiendo el castellano, pero no es fácil hablarlo. Bueno, y je vais faire ma présentation en environ 40 minutes, ce qui, compte tenu de la traduction, fera à peu près le double. Je ne vais pas, je crois que notre interprète, je suis sûr, est un camarade compétent,
qui comprend les idées que je présenterai et qu'il n'est donc pas nécessaire de hacher la traduction par phrase, que je présenterai une idée qu'il pourra traduire de la meilleure façon possible en espagnol ou en castillan plus exactement. Nous disons toujours, nous les Arabes, la Castille, on ne dit pas l'Espagne. On ne connaît pas ce mot. Ne dites pas à l'Andalus. À l'Andalus, c'est le sud de l'Espagne. C'est le sud. Mais au début, c'était. C'est au sud de la Castille. Bon. Castille. Bon. Et je viens de produire un ouvrage relativement court, publié en français il y a à peine une semaine, sur le bicentenaire de Marx, et El Viejo Topo va le traduire en espagnol. Bueno. Et je veux vous présenter cinq points, qui sont tous dans Marx, mais qui ne sont pas présenté d'une manière nécessairement complète et nécessairement prenant en considération les conditions du capitalisme contemporain. Marx n'était pas un devin ou un prophète initiateur d'une religion. Il a fait non pas seulement la meilleure analyse de la réalité de ce qu'est le capitalisme, il a produit la seule analyse, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas d'autre, la seule analyse rigoureuse, et donc toujours vraie, de ce qu'est dans ses dimensions essentielles, non pas seulement le mode de production capitaliste, mais la société moderne capitaliste et sa place dans l'histoire de l'humanité. Tous ceux qui ont tenté, avant Marx, après Marx, d'analyser et de comprendre le capitalisme n'y sont jamais parvenus. Marx est le seul. Et c'est la raison pour laquelle, et je reviendrai sur ce point en détail, c'est la raison pour laquelle, quand on lit Marx aujourd'hui, en particulier son œuvre majeure, Le Capital, mais aussi ses œuvres politiques, particulièrement sur les moments des révolutions françaises, mais aussi le manifeste du Parti communiste, 1848, il y a 170 ans, et Marx n'avait que 30 ans à l'époque, il était jeune, non seulement nous découvrons des phrases, mais nous découvrons des idées fondamentales qui sont plus vraies aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque où elles ont été écrites, en 1848. C'est la raison pour laquelle Marx n'est pas un penseur du passé, dépassé par le développement historique, mais est un penseur du présent et de l'avenir. Il sera peut-être dépassé un jour, en l'an 3000, lorsque l'humanité sera parvenue à un stade supérieur de civilisation qui s'appelle le communisme. Et alors, évidemment, je l'espère, l'humanité sera confrontée à des problèmes que nous ne pouvons pas encore imaginer aujourd'hui et pour lesquels Marx ne sera plus d'utilité. Mais jusque-là, il est fondamental et il le reste. Bien. Va desarrollar 5 puntos. No los ha mencionado todavía, que caracterizan la obra de Marx y que demostrarán en su exposición que Marx no solamente ha sido uno de los grandes analistas del capitalismo, que ha dado una visión completa y ajustada del sistema, sino, de hecho, el único hasta la fecha. Que no podía prever, evidentemente, todos los desarrollos contemporáneos, pero captó lo esencial no solo del modo de producción capitalista, sino de la sociedad que ese modo de producción creaba y organizaba, en obras, por ejemplo, como El Capital, obviamente, sus escritos sobre la revolución en Francia, y también en el Manifiesto Comunista, que escribió a la edad de 30 años,
anticipándose a cosas que en el momento en que se escribieron no eran realidad y en cambio son realidad hoy día. En cierto modo, por tanto, aunque no ha dicho esa palabra, su obra es profética. Por hoy no ha sido superado, quizá dentro de otros 1000 años lo sea, y entonces pues ya hablaremos en otros términos, pero de momento sigue siendo el paradigma del análisis del sistema capitalista. Bon. Dans le livre 1 du Capital, Marx s'attache à démontrer en quoi et pourquoi le mode de production capitaliste et la société capitaliste qui naissent de ce fait rompent avec le passé de l'humanité tout entière, pas seulement celui de l'Europe. Autrement dit, en quoi le capitalisme est une étape de la civilisation véritablement nouvelle. Pour le faire, il découvre et démontre que le travailleur, réduit au statut de prolétaire salarié, vend sa force de travail, mais que, victime de l'idéologie de la classe dominante, qui est l'idéologie dominante de la société, et c'est une phrase de Marx dans le manifeste, dite exactement de cette manière, victime de cette aliénation, il pense, il se voit vendre son travail. Autrement dit, Marx découvre le secret de la spécificité du capitalisme, qui est la loi de la valeur. Et il le considère, cette loi de la valeur, non pas seulement comme permettant la reproduction des conditions économiques du capitalisme, mais commande tous les aspects de la vie sociale, politique, culturelle, idéologique de la modernité capitaliste. Marx, en el libro primero del Capital, presenta este sistema como una innovación radical en la historia de la humanidad, no solo en Europa, sino en todo el mundo, centrada en la explotación del trabajo humano, que gracias al dominio ideológico de las fuerzas hegemónicas, de las élites dominantes, su famosa frase, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, hace que el trabajador que está siendo utilizado por el capital de esa manera crea que en realidad es una especie de partener, como se dice, del capitalista al cual vende su fuerza de trabajo, cuando en realidad esa relación está guiada por uno de los grandes, quizá el descubrimiento capital de Marx, en el análisis del capital, que es el valor, la teoría del valor. Entonces, de acuerdo con esa teoría, la aplicación de esa teoría del valor, bueno, no ha mencionado todavía el término plusvalía, ya saldrá, toda la sociedad gira en torno a las líneas de fuerza que crea esta concepción basada en la teoría del valor, en todos los aspectos, no solo en la producción, sino también en la cultura, en todos los demás aspectos de la vida humana. Dans le livre 2 du Capital, Marx démontre, et j'utilise le terme démontre, que ce système peut fonctionner, c'est-à-dire créer et recréer les conditions de sa reproduction, mais que pour fonctionner, il doit surmonter sa contradiction fondamentale interne. Autrement dit, que les conditions de la reproduction de l'accumulation du capital entrent en conflit, non pas avec les intérêts de classe des exploités, mais avec la logique même de l'accumulation. Cette contradiction interne qu'aucune vision qui se prétend scientifique de la modernité n'est capable de concevoir est essentielle pour la compréhension de la contradiction fondamentale qui caractérise le capitalisme. Ce n'est pas seulement que ceux qui sont les victimes, les exploités, se révoltent contre leurs conditions. Ça a existé à d'autres époques et à toutes les époques de l'histoire de l'humanité. C'est que les conditions
même de la reproduction et de l'accumulation sont conflictuels et contradictoires. En el libro segundo, et une phrase seulement de plus, cela signifie que ce système n'est à terme pas viable parce qu'il ne tend pas vers un équilibre à travers des crises conjoncturelles, mais il se déplace de déséquilibre en déséquilibre qui sont produits par les luttes sociales, mais aussi par les luttes politiques nationales et internationales. Le libro segundo demuestra más que el sistema capitalista solo puede funcionar a costa de luchar constantemente contra una contradicción interna o los obstáculos que presenta esa tensión interna al mecanismo de reproducción del sistema y de acumulación. Es una especie de mecanismo autodestructivo, no he dicho esa palabra, es decir, que contiene el sistema capitalista, que no viene producido solo ni fundamentalmente por la resistencia de las clases explotadas, sino por la propia dinámica interna del capital, el proceso de acumulación, y que hace que no sea un sistema viable, porque no tiende a un equilibrio, como a veces se presenta, un equilibrio que se conseguiría después de una serie de crisis, sino que es un sistema que navega de desequilibrio en desequilibrio en tendencia creciente hacia el desequilibrio, y nunca sale de ahí. Y esos desequilibrios están producidos por las luchas sociales y también las luchas políticas internas e internacionales. Bon, alors ceci me conduit à la seconde grande idée que je veux vous présenter, qui est quelle est la vision de Marx, qui est aussi la mienne et celle de pas mal d'autres gens, évidemment. La vision de Marx de la place du capitalisme dans l'histoire universelle. Marx pense que le capitalisme n'est pas viable et par conséquent représente déjà à son époque et représentera encore davantage par la suite ce que moi j'ai appelé, ça c'est pas de Marx, mais c'est un synonyme de ce que Marx dit, une brève parenthèse dans l'histoire, une très brève parenthèse dans l'histoire, et non pas du tout la fin de l'histoire, la rationalité économique qui est la seule rationalité possible et nécessaire à tous les âges de l'humanité, pour tous les peuples, etc., etc., tout ce blabla laudatif qui est la production de ce que Marx, à juste titre, appelle l'économie, je dirais même la pensée sociale vulgaire, mais qui est dominante aujourd'hui, comme elle a été dominante dans les deux siècles précédents. Marx situa el capitalismo en un determinado punto del desarrollo histórico y lo considera, y Samir Amin coincide totalmente con esa apreciación, no como la culminación de un proceso de mayor perfección, sino como un paréntesis que, vista la historia de la humanidad en su conjunto, será apreciado a la larga como un breve paréntesis. Y eso no es solamente básicamente por su capacidad, su mecanismo contradictorio, internamente contradictorio, sino porque es incapaz de generar la estabilidad a la que se hace alusión constantemente en el discurso laudatorio del sistema, presentándolo como la culminación, como ha dicho alguno, el fin de la historia, el triunfo de la razón en toda la vida social. Nada de eso. Le capitalisme a une très longue incubation. Marx dit même déjà à l'époque dans le manifeste communiste les trois siècles de mercantilisme qui sont inaugurés par vous, pas seulement les Espagnols, mais vos voisins, les Portugais également, par les pays ibériques, Séville, Cadix et Lisbonne, par la conquête des Amériques, 1492, qui est Grenade et la conquête des Amériques.
la mondialisation moderne capitaliste remonte à cette époque, dit Marx. Et elle prépare, pendant 3 siècles, une transition au capitalisme qui prend sa forme achevée un peu plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, avec la double révolution économique anglaise, industrielle anglaise, et politique française. Marx habla de un periodo inicial del capitalismo que empieza precisamente en los países ibéricos con el descubrimiento y conquista de América. Es el periodo del mercantilismo, que dura 3 siglos y que a final del siglo XVIII, mediante la industrialización en Inglaterra, da paso a la etapa, digamos, más actual del capitalismo tal como hoy día lo conocemos. Bon, je ne ferai pas le reproche à Marx d'avoir été sur ce point limité par les connaissances des Européens de son époque. Pour ma part, je crois que la longue incubation du capitalisme ne peut pas être réduite aux 3 siècles du mercantilisme européen, mais à 10 siècles qui commencent en l'an 1000 en Chine, qui se transfèrent de Chine au Moyen-Orient du califat abbassides, musulmans, arabes et persans, puis aux villes italiennes, pour ensuite atterrir chez vous, en Ibérie, partir à la conquête, et je dis la conquête, pas la découverte de l'Amérique, parce que les Américains qui étaient là-bas l'avaient découvert avant vous, puisqu'ils y étaient, mais la conquête et la destruction, son intégration dans le capital naissant. Ça a été capté un peu plus tard, part avec la Renaissance dans un triangle très petit, Londres, Paris, Amsterdam, qui a donné sa forme définitive, la forme historique du capitalisme tel que nous le connaissons. Au moment où Marx écrit avec Engels le manifeste communiste en 1848, le capitalisme, c'est le système de l'Angleterre même, de l'Angleterre, d'un quart nord-ouest de la France, de Paris à Lille et d'un tout petit morceau de l'ouest de la Westphalie prussienne. C'est rien. Tout le reste de l'Europe n'est pas encore véritablement rentré. Et néanmoins, Marx voit dès cette époque que ce système va conquérir non seulement le reste de l'Europe, mais le monde entier dans un temps très bref. Et par conséquent, inscrire à l'ordre du jour son propre dépassement dans un temps historique très bref. C'est ce en quoi il représente une brève parenthèse dans l'histoire. De hecho, Marx actúa con un cierto eurocentrismo en el momento en que describe el mercantilismo como la fase previa del capitalismo, puesto que en realidad, cosa que no sabía, se puede buscar esa fase previa en torno al año 1000 en China, luego el desplazamiento de ese proceso a través de los califatos árabes, califato abbasí, Persia, etc. Las ciudades de la baja edad media italianas y del Renacimiento, y finalmente a través de el periodo este del mercantilismo, llega a finales del 18, principios del 19, a cristalizar en un pequeño triángulo formado por las ciudades de Londres, París y Ámsterdam, que en el momento en que Marx escribe con Engels sus primeras obras, es un sistema que solamente afecta a Inglaterra, al noroeste de Alemania, bueno, norte de Alemania, perdón, de Francia, y Bélgica y un poquito de la Westfalia, es decir, de Alemania Occidental. Y a pesar de eso, Marx tiene la clarividencia de anticipar que ese sistema en poco tiempo acabará conquistando el mundo entero. Je crois que Marx ne s'est pas trompé. Il a pensé donc que ce système, la fonction historique de ce système, c'est de réunir dans un temps historique très court. Vous savez, pour un Égyptien comme pour un Chinois, un siècle, c'est une minute de la vie humaine, à peu près.
C'est rien, c'est un temps très court. Dans ce temps très court, réunir toutes les conditions matérielles en termes de développement des forces productives, politiques, culturelles, idéologiques, qui rendent nécessaire et possible son dépassement par des révolutions, je préfère dire des avancées révolutionnaires en direction du socialisme. Marx prevé que en un corto espacio de tiempo este sistema va a reunir todas las condiciones económicas, culturales, ideológicas, sociales que harán posible, y no solo posible, sino necesario, necesaria la superación de ese sistema. Dice que prefiere no hablar de revolución, sino de avances revolucionarios hacia el socialismo. Je disais, Marx ne s'est pas trompé. À peine 20 ans après l'avoir écrit, il y a quand même la Commune de Paris, la première révolution anticapitaliste dans l'histoire de l'humanité. Et même avant, ça c'est dans les pays capitalistes relativement développés, la France de l'époque, mais également dans une périphérie récente en Chine, ouverte par les canons de la marine britannique en 1840 avec les guerres de l'opium, 25 ans après, 1865, avant même la Commune de Paris, la révolution des Taiping qui propose une révolution paysanne radicale dans une perspective qu'on n'aurait pas beaucoup de grandes difficultés à qualifier de socialiste, voire même de communiste aujourd'hui, et qui est l'ancêtre du maoïsme. Et Mao l'a reconnu lui-même. Par conséquent, Marx a raison. Ce système engendre des révolutions au centre et à la périphérie très rapides. Même si, comme l'histoire l'a montré, la Commune de Paris a été battue, les Taiping ont été battus, mais ils ont permis de vagues successives et ultérieures. Marx no se ha equivocado en sus pronósticos porque muy pocos años, 20 años después de sus, digamos, análisis, estalla la Revolución de la Comuna en París, pero ya antes de eso, en 1865, después de que China fuera abierta al sistema mundial por la escuadra inglesa, a cañonazos, tiene lugar en 1865 en China una revolución campesina radical que trata de implantar un sistema de una prácticamente protocomunista en el cual se apoyará luego Mao, o que lo consiga, Mao Zedong lo considerará como un precursor. Esa revolución encabezada por un personaje llamado Taiping fue también, igual que la Comuna de París, aplastada, pero sentará, digamos, las bases de marcará la línea de los procesos revolucionarios a los que ha hecho alusión. Mais la Commune de Paris, si elle est la première révolution socialiste dans un centre capitaliste développé, apparaît être aussi avoir été la dernière. Et il ne semble pas qu'il soit inscrit à l'agenda du visible dans l'horizon prochain d'autres révolutions du même genre dans les centres capitalistes. La révolution anti-impérialiste et potentiellement, de ce fait, anticapitaliste, en partie tout au moins, se déplace vers l'Est, vers les périphéries. Je crois que Marx en prend conscience, dans notamment sa correspondance avec Veaceslav Zasulich, que le processus pourrait commencer ailleurs que dans l'Europe occidentale, industrielle et développée, ou aux États-Unis, dans les périphéries, ce que Lénine appellera le maillon faible. Mais Lénine pensait, à tort, bon, ce n'est pas très grave, mais c'est un fait, que la révolution russe serait suivie rapidement par une ou des révolutions, au moins dans l'Europe occidentale, industrialisée, et en particulier en Allemagne, ce qui n'a pas eu lieu.
La revolución de la Comuna de París no solo fue la primera en el centro del sistema capitalista, en un país central, sino que aparentemente tiene todo el aspecto de haber sido por ahora la última. Marx cobró conciencia hacia el final de su vida, particularmente a través de su correspondencia con la autora rusa Vera Suselich, de las posibilidades todavía que encerraba un proceso potencialmente revolucionario en los territorios periféricos del centro capitalista europeo, hacia el este, Rusia, China, etc. Y ese proceso, de alguna manera, es el que abre la posibilidad de, luego por contagio, volviendo sobre el centro, según este pronóstico que es el que hizo suyo Lenin, el famoso eslabón más débil, permitiría extender a nivel mundial esa revolución. El cálculo de Lenin, como todo el mundo sabe, falló, pero bueno, de hecho, en algún momento ese proceso era verosímil. Bon, j'en viens donc au troisième point qui est peut-être le principal. Les visions conceptuelles, la conceptualisation par Marx et dans Marx et par ses successeurs marxistes de différents courants de pensée de la mondialisation. Marx est resté très hésitant et je crois que Marx ne nous a pas proposé une analyse théorique de la mondialisation aussi puissante que ne l'a été son analyse du capitalisme comme nouveauté dans l'histoire de l'humanité, comme système nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il est resté hésitant entre deux visions possibles, peut-être à son époque, mais je crois qu'elle n'était pas une seule, l'était même à son époque, deux visions possibles de la mondialisation. La première est que l'expansion mondiale du capitalisme, en dépit de toutes les horreurs qui l'accompagnent, donne la possibilité d'un rattrapage par les peuples et sociétés antérieures, pré-capitalistes, restées hors du système capitaliste, un rattrapage dans le capitalisme mondialisé et par les moyens principaux essentiels du capitalisme, c'est-à-dire la propriété privée du capital et le statut de vendeur de force de travail des travailleurs. Sur le thème de la mondialisation, Marx n'a pas eu une vision tan clara comme en son analyse del système capitaliste propriamente dicho. Y ha vacilado, ha oscilado entre dos posibles procesos de mundialización. El primero es, digamos, el clásico, según el cual, o su primera visión, según la cual el capitalismo tendería a extenderse por todo el mundo, con todos los traumas y, digamos, desgracias que eso acarrea, y acabaría haciendo que todos los pueblos de la periferia entraran, alcanzaran ese nivel de desarrollo que tenía el capitalismo inicialmente en el centro y acabaran entrando en el sistema de venta de fuerza de trabajo que caracteriza el capitalismo del centro del sistema. Cette vision d'un capitalisme qui continue à être sur sa lancée par son expansion et les possibilités de rattrapage par les périphéries de ce qu'il est dans ses centres, et peut-être revient à la mode aujourd'hui. Il y a des analystes qui prétendent que ce n'est pas le capitalisme qui est en crise, c'est le vieux capitalisme des vieux pays capitalistes, l'Europe et les États-Unis en particulier, mais que le capitalisme est triomphant et se développe en Chine particulièrement, mais aussi en Inde, au Brésil, en Amérique, dans le monde arabe et ailleurs, et que c'est simplement le centre de gravité du monde capitaliste qui est
peut-être en train de se déplacer, disons, de l'Atlantique comme lieu d'union entre l'Europe et les États-Unis, d'une part, vers le Pacifique comme principalement le lieu de vers l'Asie, principalement l'Asie orientale, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, séparée par le grand océan Pacifique. Bon, c'est donc une vision qui a la peau dure. C'est peut-être la vision de beaucoup encore aujourd'hui, y compris dans des penseurs de gauche sincères et honnêtes. Esta visión que he mencionado antes es la que han adoptado muchos hoy día para explicar la crisis del capitalismo y pretender que es una crisis transitoria, que no es de esencial del sistema, sino que es una crisis, podríamos decir, de desarrollo, y que lo que está ocurriendo es que el centro de gravedad del sistema se está desplazando hacia la periferia, lo que antes era, hasta ahora era la periferia del sistema, y que, por ejemplo, en lugar de estar centrado en el océano Atlántico que liga la América del Norte con Europa, tiende a situarse en el océano Pacífico, que es el mar que une los Estados Unidos, la América desarrollada, con la América del Sur y con los países del extremo oriente de Asia y del sudeste asiático. Y que esta sería la manera como el capitalismo adquiriría por fin su consolidación. Je crois qu'on pourrait montrer que cette vision de l'expansion du capitalisme homogénéisant a été parfois adoptée par Marx. Les fameux écrits de Marx sur l'Inde, mais aussi ses écrits sur la Chine, en sont des témoignages. Par exemple, il écrit à propos de la Chine, lorsque, après les premières interventions militaires contre la Chine, en Chine, la prochaine fois que vos armées tenteront d'envahir la Chine, elles s'arrêteront à la frontière et elles y trouveront une pancarte « Attention, vous entrez dans la République bourgeoise de Chine ». Ce n'était pas tout à fait faux, mais c'est partiellement inexact, dans ce sens que la pancarte qu'ils rencontreront et qu'ils, aujourd'hui, c'est « Vous entrez dans la République populaire de Chine ». C'est différent de la République bourgeoise, même si ce n'est pas d'une différence absolue dans son potentiel de développement ultérieur. Marx a tenido coincidido en parte con esta visión que se ha explicado antes de expansión del capitalismo del centro hacia la periferia, cosa que se puede observar en sus escritos sobre la India y sobre China, y en una cierta broma que hace en uno de sus escritos, diciendo que, bueno, la próxima vez que las tropas occidentales, en este caso inglesas, traten de entrar en China, se encontrarán una pancarta a la entrada que dirá: atención, entran ustedes en la República Burguesa de China. Como dice Samir Amin, ahí Marx se equivocó. Evidentemente, lo que hay parte de verdad en eso, pero en realidad lo que encuentran ahora, de hecho, es más bien una pancarta que dice: atención, estáis entrando en la República Popular de China, que tiene elementos en común con lo otro, pero no es exactamente lo mismo. Bon, mais Marx n'était pas marxiste comme certains marxistes l'ont lu par la suite. Il était capable de changer d'opinion, de prendre en considération des connaissances nouvelles et des évolutions nouvelles. Et il a, sur la fin de sa vie, commencé à concevoir une autre conception de la mondialisation capitaliste, c'est-à-dire une conception fondée sur la polarisation. Non pas seulement l'inégalité du développement capitaliste, mais l'inégalité qui s'approfondirait d'une période à une autre. Et une partie de sa correspondance avec Vera Zasulich en témoigne. Je crois que
si Marx avait vécu 150 ans, il n'aurait pas été surpris que la révolution commence en Russie, et pas en Allemagne ou aux États-Unis. Et il aurait été surpris, il n'aurait pas été surpris par cet événement, je crois. Cette seconde vision de la mondialisation, j'ose sans arrogance dire qu'elle a toujours été la mienne. Peut-être pas à l'âge de 15 ans, je n'en sais rien, mais au moins à partir du moment où j'ai commencé à écrire et jeune, c'est-à-dire dans les années 50 et dans l'après-guerre immédiat, je dirais même à partir de 1947. Ma vision était celle d'une expansion polarisante, comme l'a dit notre camarade, et approfondissant la polarisation. En 1820, au début de la révolution industrielle anglaise, le rapport de la productivité moyenne du travail social pour 90% de l'humanité, pas pour 100%, entre certains pays d'Asie, et notamment la Chine, et les pays les plus avancés d'Europe, notamment la Grande-Bretagne, était, selon Beroche, par exemple, peut-être de 1 à 1,3, et encore, pas nécessairement au bénéfice des Européens. La Chine était plus avancée en produit intérieur brut per capita, comme on dirait aujourd'hui, en 1820, que l'Angleterre de l'époque. Ce qui signifie que Marx avait vu juste. Le processus de l'accumulation du capital est un processus de paupérisation. Cela a fait sourire, et plus que sourire, rire, un grand nombre des critiques bourgeois de Marx, en prenant l'exemple de leur propre pays européen ou des régions de leur pays européen, et en disant cette paupérisation n'existe pas. Elle est l'imaginaire de Marx. À l'échelle mondiale, qui est la seule échelle que l'on doit prendre en considération, elle est considérablement plus marquée que ne le pensait même Marx à son époque. Je veux dire par là que Marx est plus vrai aujourd'hui qu'il ne l'était quand il écrivait. La concepción, la otra concepción de Marx sobre la mundialización es aquella en que hoy podemos llamar, y Samir Amin, digamos, excesivas pretensiones, considera que es la que él comparte ahora, más la que no era marxista, que era una persona abierta al cambio de ideas, a la autocorrección, llamaría polarización creciente. Y eso se traduce en otros términos, podríamos llamarlo así, con un término que él utiliza, que es la pauperización creciente. En la época en que Marx escribe, bueno, hace 150 años un poco más, la relación entre la productividad de países como China y los centros capitalistas, la diferencia era de 1 a 1,3 aproximadamente, y en algunos casos no a favor de los centros capitalistas europeos, sino de China, que en algunos terrenos tenía un cierto desarrollo superior, cualitativo al menos. Hoy día, en cambio, la correlación de, la división del PIB per cápita, comparando el centro capitalista actual con las periferias, puede llegar a una relación de 1 a 60. Es decir, una polarización creciente y una pauperización creciente que hoy día tienden a ridiculizar los apologistas del capitalismo diciendo que eso, claro, eso no existe, porque no estudian el fenómeno a escala mundial, que es la única válida en este terreno, sino a escala estrictamente europea y de ciertos países europeos. J'ai donc toujours, pour ma part, adopté ce deuxième point de vue et à partir de là, pensé qu'il nous fallait à nous, marxistes, je ne suis pas le seul, mais à nous, marxistes, non pas reproduire éternellement
les écrits de Marx, mais poursuivre l'œuvre de Marx en produisant une théorie, une théorisation de la mondialisation capitaliste qui n'est pas chez Marx. Lo que nos corresponde a nosotros marxistas es no repetir eternamente los análisis de Marx, sino captando ese meollo de su análisis, desarrollar esta concepción que, yendo más allá del análisis concreto que ha hecho Marx y sacando las consecuencias oportunas de ese análisis. Este es, de hecho, la tarea de Samirani. Et je la présente et je la résume dans quelques phrases, qui est que nous devons formuler une loi de la valeur du capitalisme mondialisé en partant de la loi de la valeur du capitalisme comme système abstrait, mais sur la base de la polarisation engendré par l'expansion mondiale du capitalisme. Le passage de la loi de la valeur à la loi de la valeur mondialisée, qui est le titre d'un de mes récents ouvrages, mais c'est la formulation la plus récente de moi. Il y a une formulation antérieure de moi-même et il y a d'autres formulations plus anciennes de la même idée. Ce passage n'est de la loi de la valeur à la loi de la valeur mondialisation n'est pas chez Marx. Et lo que propone Samir Amin es, a partir de la ley del valor del capitalismo considerado en abstracto, mediante un desarrollo ulterior, formular la ley del valor mundializada o mundializado, que es algo que evidentemente no está en Marx, pero sería la tarea que corresponde a los marxistas hoy día. Bon. Les premières avancées anti la polarisation est synonyme de impérialisme. Quand Lénine écrit l'impérialisme stade suprême du capitalisme, c'est probablement, je crois, par respect, trop de respect pour Marx. Il aurait dû écrire l'impérialisme stade permanent du capitalisme. Parce que ce que vous, les Espagnols et les Portugais ont fait en Amérique, c'était de l'impérialisme déjà. Et ce qui a été fait par la suite avec la conquête de l'Inde par les Anglais, les Français d'abord et les Anglais ensuite, c'était de l'impérialisme. La colonisation, c'était une forme brutale, la forme la plus brutale de la mondialisation de l'époque. Par conséquent, le capitalisme et l'impérialisme, ou la dimension impérialiste de l'expansion du capitalisme, c'est-à-dire la base de la polarisation, ne sont pas choses nouvelles. La mondialisation n'est pas la découverte de brillants académiciens américains. Elle est avec nous depuis au moins 5 siècles. La manifestación primera de la mundialización se da ya en las fases de colonización de los grandes imperios español, francés, británico y data por tanto al menos de 5 siglos. Por tanto, cuando Lenin escribe su trabajo El imperialismo, fase superior del capitalismo, está, por respeto a Marx, aceptando que se ha entrado en una fase novedosa, pero en realidad esta forma de mundialización, que llamamos imperialismo, que no es un invento de intelectuales norteamericanos de última ola, está, como os he dicho antes, con nosotros desde hace al menos 5 siglos. Mais Lénine tire la conclusion correcte majeure, qui est que notre époque n'est plus celle de l'expansion du capitalisme à travers des révolutions bourgeoises, ou démocratiques bourgeoises si l'on veut, mais celle des révolutions socialistes. C'est une conclusion que tire Lénine à l'époque et qui est correcte, que les faits ont prouvé être corrects.
Il est de mode aujourd'hui de dire que la révolution russe a commencé en février 1900. Il y avait eu 1905 avant, mais en février 1917, et que si elle s'était arrêtée à ce stade, la Russie aurait été un grand pays capitaliste démocratique à l'image des pays de l'Europe occidentale. L'histoire a prouvé que la révolution ne pouvait pas s'arrêter à février, que la bourgeoisie russe n'était pas capable de gérer le pays et que les forces réactionnaires de la monarchie tsariste et de ce qu'on a appelé la féodalité ou l'aristocratie russe ne pouvaient pas être battues par la bourgeoisie, qu'elles devaient l'être par le peuple. Le peuple, je ne dis pas le prolétariat. Et c'était octobre. C'est-à-dire la vision de Lénine d'une alliance à travers le décret, les deux décrets, le décret sur la terre et le décret sur la paix, une alliance de tout le peuple travailleur russe. Il n'y a pas eu de guerre civile en Russie. Il y a eu une guerre d'intervention contre la jeune république qui était soutenue par la grande majorité du peuple russe, évidemment une grande révolution, une grande intervention extérieure provoque toujours, permet toujours aux éléments réactionnaires à l'intérieur de la société de réapparaître sur la scène. Thank you.